c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo home tour de ma déco de Noël. Je vous ai mis juste avant tous mes petits achats que j'ai fait pour cette année. Donc j'ai décoré une partie, j'ai décoré mon salon, j'ai décoré un petit bout de la cuisine, mon escalier, comme d'habitude, c'est toujours la première chose que je fais d'ailleurs quand je commence ma déco de Noël. Et j'ai décoré mon bureau. Donc je ne sais pas dans quel ordre je vais vous tourner un petit peu tout ça. Mais je vais faire le tour avec vous et on va découvrir tout ça ensemble. Je vous souhaite un bon moment et j'espère que cette vidéo vous fera très plaisir. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce et à partager. Et nous voici dans le bureau, l'endroit où je travaille. Je vais vous montrer mon étagère à jeux juste derrière. C'est un petit peu le seul endroit que j'ai décoré pour l'instant dans l'atelier. Je pense pas que j'en ferai beaucoup plus. Je vous montre ça tout de suite. Alors voici mon bureau, l'endroit où je travaille principalement ici. Et ici, c'est un espace de stockage. Derrière, j'ai fait cette étagère que j'agrémente souvent au fur et à mesure des saisons, au fil des saisons. J'aime bien changer et varier la petite déco justement qu'il y a dessus. Vous voyez que j'ai mis deux guirlandes en fait. Une guirlande qui vient de Light for Fun et une petite guirlande comme ça qui vient de Action. Je l'aime beaucoup celle-ci parce que comme ce sont des glands, on peut l'utiliser aussi en automne. Donc je la trouve vraiment très sympathique. D'ailleurs, je l'avais utilisée aussi en automne. Je ne sais plus d'où vient ce petit... je crois que je l'avais acheté l'an dernier. Et je suis désolée, ces petits grelots. Tout en haut, vous avez les jeux que je fais en collaboration avec les petits puzzles spéciaux pour la saison. Celui-ci, c'est mon puzzle tasse d'hiver qu'on peut faire, en hiver. C'est un petit puzzle de 100 pièces. Un de 130 pièces avec le fantôme Rudolph que j'ai mis ici. J'en ai plusieurs sur le thème des fantômes et de Noël. Seulement celui-ci, comme il était dans les couleurs de bleu, je l'ai mis ici pour aller avec, avec les autres jeux. Une petite lanterne. Ici, on a les autres jeux en collaboration. J'ai mis des petits champignons par-ci, par-là. J'ai été très sapin cette année, je m'en rends compte. Vous voyez, il y en a encore ici et là. J'ai gardé ma tasse d'automne parce qu'avec ces petits champignons rouges, en fait, je trouve qu'elle fait... qu'elle est aussi tout à fait indiquée pour Noël. Donc on a aussi le Merry Christmas, bien sûr. C'est mon jeu chouchou pour cette saison-là, évidemment. Le Gloomy, le Tarot Renard. J'ai fait une petite déco là sur le côté avec cette bougie que je n'ose pas allumer. C'est un cadeau d'une amie. Et elle sent tellement bon que en fait, je ne l'allume pas. Je la laisse ici, je la trouve trop belle. On a le Boutaro et toute la collection des petits fantômes, le Tanis, et j'ai mis dans ce petit coin-là une petite souris d'hiver, tout à fait en lien avec mon futur projet secret. Je vous donne plein d'infos au fur et à mesure des vidéos. Franchement, si vous ne devinez pas au printemps, de toute façon, je vous en montrerai une partie au printemps. Mais si vous n'avez pas deviné d'ici là, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il va falloir aller voir toutes les vidéos du coup. Donc la petite souris, c'est une petite souris My Leg. Je les trouve hyper jolies. Et j'ai trouvé des petites décorations comme ça à sauce Trend Green. Pareil pour les petits cadeaux qui viennent de là-bas. Les petits... Tout ce qui est miniature en fait vient de là-bas. Ils ont une très jolie collection de miniatures. Ensuite, on a le côté un petit peu plus girly avec le Sweet Ladies. Ensuite, le reflet de lune, le Lily White, le Lily Black. Là, j'ai pas trop agrémenté. Alors, l'an dernier, j'ai trouvé ce magnifique calendrier de Thomas Kincaid. Moi, j'adore ce qu'il fait. C'est très, très beau. Et en fait, je le mets plutôt en déco. Hein. Vous voyez, c'est pas vraiment un calendrier sur lequel on peut noter quoi que ce soit. Par contre, les illustrations sont tellement inspirantes. Petit côté cottage, j'adore ça. Voilà, donc c'est la partie que j'ai décorée. J'ai rajouté une jolie petite carte que j'ai trouvée à Cultura. Et pour le reste, ça n'a pas changé. Là, j'ai laissé tel quel. Et mon bureau n'a pas changé. Toujours autant en bazar.
cuisine, c'est pas l'endroit où j'ai fait le plus de déco, mais j'ai mis des petites touches par-ci par-là, je vous montre tout ça. Alors voici ma petite déco à côté de l'évier. Je me suis fait un petit endroit pour prendre tout ce qui est boissons chaudes. Donc ici avec la jolie théière que j'avais trouvée l'an dernier, j'ai ressorti le sirop de spéculoos, mais franchement, moi je suis hyper déçue. Je trouve pas que ça ait vraiment le goût de spéculoos. Je suis assez dubitative par rapport à ces sirops-là. Voilà, à tester. Vous me direz s'il y en a qui sont mieux pour vous. J'avais trouvé ces petites tasses à Maison du Monde, il y en a 4. Elles sont très petites, hein. Moi j'avoue que je prends des cafés un petit peu plus gros que ça. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment des cafés, c'est plutôt de la chicorée pour mon petit ventre. Mais voilà, donc je les mets quand même en déco ici, je les trouve vachement sympas. J'ai mis un petit torchon avec une étoile que j'avais trouvé sur Amazon l'an dernier. Donc vous retrouvez les liens sur ma vidéo de l'an dernier. J'ai deux plaques. Alors j'ai des petits champignons qui viennent de Jardiland de cette année. Un que j'ai mis ici et un autre que j'ai mis là sur ce petit plateau que j'adore et que j'ai trouvé sur une brocante. Donc je ne pourrais pas vous dire, il manque une cuillère et malheureusement je l'ai vu qu'après deux tasses sont cassées, mais ça pourra faire des petits pots pour mettre des plantes. Voilà, juste au-dessus j'ai une petite étagère où j'ai mis mes petits piou-piou, une autre plaque, j'ai une jolie célestite qui est derrière que j'avais trouvée sur une brocante, vraiment pas cher, vraiment c'était un gros coup de chance, et j'ai ma petite maison avec les petits cerfs, elle s'allume, mais là vous le verrez pas puisque du coup il y a de la lumière juste en dessous. Sur le côté de mon îlot de cuisine, j'ai mis cette jolie plaque, je l'adore, elle est magnifique. Et je me souviens plus d'où elle vient, mais je suis sûre de vous l'avoir montré aussi dans la déco de l'an dernier, avec ce petit bonhomme en pain d'épices qui vient de chez H&M de cette année. À côté de notre table de cuisine qui est juste ici, mais qui est tellement bazar que je n'ose pas vous la montrer, c'est ici que je mets tous les calendriers de l'Avent. Alors, j'ai pas encore sorti celui de ma fille, mais j'ai sorti le mien avec tous les petits puzzles. Je le réutilise chaque année. C'est un calendrier que j'avais acheté la première année qu'ils l'ont fait chez Travel Puzzle. Et en fait, ça fait 3 ans que je le sors. Et c'est toujours, toujours un régal de le ressortir. Alors, quand moi, je l'ai acheté, ils ne faisaient pas encore des boîtes. Parce que maintenant, ils font des boîtes où on peut ranger les puzzles du calendrier de l'Avent. Et moi, je l'ai mise dans une boîte... je ne trouve plus le nom. À Panettone, voilà. Les boîtes de Panettone qu'on trouve chaque année. Je les avais achetées à Carrefour. Celle-ci, il y a 2 ans. Celle-ci, l'an dernier. Je la trouve hyper jolie. Elle a un côté vraiment... très sympa, très rétro en fait celle-ci. Et puis ça c'est le couvercle d'une boîte à Panettone et je le trouve trop trop beau. Je viens de vous rajouter la lumière des meubles pour qu'on y voit un petit peu plus clair et dans le fond en fait j'ai fait cette petite déco dans les tons de verre. La guirlande qui vient de Light for Fun que j'avais acheté en promotion l'an dernier, vraiment pas cher. Je pense qu'elle m'avait coûté 8 euros. J'ai cette petite décoration de chez H&M que j'ai trouvée cette année. Cette jolie illustration qui vient d'une illustratrice dont je... Voilà, Claire Delépée, vous le voyez ici. J'en ai deux d'elle et elles sont vraiment toutes les deux magnifiques. Mais celle-ci est dans les tons de vert, l'autre est dans les tons de bleu, donc je l'ai mise ailleurs. Vous la verrez dans le salon. Et là, j'ai gardé quand même mon petit coin. Non mais... Alors, quand je l'ai commandé, je pensais que ça ferait 4 fois cette taille-là. Et j'ai pas eu le cœur de la renvoyer. En fait, je la trouve trop mignonne. Donc c'est ma petite mascotte bonhomme pain d'épices, étoile, gâteau, pain d'épices. Et j'ai quand même gardé mes citrouilles, alors celles-là je ne les ai pas achetées, c'est moi qui les ai faites en porcelaine. À l'intérieur on peut mettre une bougie et il y a des petits trous d'ailleurs ici pour faire joli. Celle-ci aussi, mais j'ai jamais essayé celle-là. Une petite coupelle qui vient de Maison du Monde, il y a quelques années. Voilà, donc j'ai gardé ce petit coin un petit peu nature, juste en dessous, de ce pan de mur. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai fait dans la cuisine. Maintenant, je vais vous montrer l'escalier. Alors, voici mon escalier. C'est la première chose que je décore, généralement, quand je fais les décorations de Noël. Et cette année, j'ai eu envie d'un thème bonbon.
Je me suis régalée à trouver ce thème-là chez H&M, où j'ai acheté des grands bonbons comme ça, mais je vous invite à aller voir ma déco haul, parce que sinon je vais pas tout vous rappeler, parce qu'il y a de l'ancienne déco et de la nouvelle. Pareil, je les ai piqués dans une boîte de Panettone avec une guirlande. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'ai pas trop décoré ce côté-là. J'ai laissé assez sobre. Par contre, je me suis régalée pour la rambarde, la rampe de l'escalier. Alors, dans notre maison, il fait franchement froid l'hiver. On a du mal à chauffer avec toutes les baies vitrées. Donc, j'ai toujours beaucoup de plaids. Et ici, j'avais acheté l'an dernier une couverture chauffante rembourrée comme ça. Elle est extraordinaire. Je l'ai trouvée sur Amazon. Je vous remets le lien juste en dessous en barre d'infos si j'y pense. Vraiment génial. J'en ai offert une à ma meilleure amie tellement j'ai aimé. Et il y avait plusieurs couleurs. Ce petit coussin que j'ai ramené de store États-Unis quand on est allé à Disney, donc ça vous l'avez vu l'an dernier également. Et puis je me suis fait une petite déco comme ça autour pour rappeler un petit peu Disney. La seule chose que j'ai mis cette année, c'est ce petit Mickey que j'avais ramené également de l'an dernier, mais j'ai pas eu envie de faire une déco Disney en fait. Donc j'ai mis le petit sapin que m'a offert ma maman, une petite bougie qui sent bon, j'ai décoré en fait le plateau autour avec cette guirlande. Et c'est un petit peu, j'ai mis que 2-3 touches de rouge cette année, puisque là, vous voyez, le canapé, pareil, je l'ai recouvert d'une petite moumoute. Je suis restée blanche, moumoute blanche en l'occurrence. Je suis restée dans un plaid vert que j'ai trouvé à H&M, et j'ai ressorti du coup cette housse de coussin qui va très très bien avec. L'autre petite touche de rouge que j'ai, elle est à côté de la télé, ici. Donc j'ai gardé mon bouquet d'automne avec les fleurs stabilisées, les feuilles stabilisées, et j'ai rajouté à l'intérieur cette jolie petite guirlande rouge, ces petites fleurs rouges. Je ne sais pas trop comment, c'est un branchage. Donc j'ai ressorti les petites maisons l'Oberon qui sont là. Derrière cette plante, il y a un petit sapin qui normalement fait de la lumière, mais comme il fait du bruit quand il fait de la lumière, en fait j'ai enlevé les piles. Voilà. J'ai mis un petit cerf et une déco faite main que j'avais trouvé sur un marché de Noël l'an dernier. Il me tarde de vous emmener faire les marchés de Noël, ça va être juste génial. Je devrais renommer cette chaîne La Passion de Noël, ça pourrait le faire aussi. Et ici, donc, je suis restée très sobre, j'ai pas mis de lumière, rien, j'ai juste mis deux branches que m'avait offert ma maman et par-dessus une guirlande que j'avais trouvée à Maison du Monde, vous voyez. Des petites pines de pin que j'avais trouvées également et que j'avais bombées en doré, je les ai mises ici et je les utilise chaque année. Donc ça vient de mon jardin. Et j'ai une deuxième guirlande Maison du Monde qui est sur le meuble. Voilà, après j'ai rien changé de ce côté-là. Sur la table basse, je me suis contentée de mettre ce petit rondin qui est d'ailleurs à l'année. C'est juste que je change la déco dessus. Alors je ne voulais pas allumer, j'ai oublié. Mais j'ai mis une bougie qui vient de chez mes grands-parents,
un autre petit sapin que m'a offert ma maman et ce petit champignon que j'ai trouvé à Truffaut cette année. Je le trouve trop chou. Voilà, des petites lettres de Scrabble. Et en dessous, j'ai une boîte que je vous montre ici, qui me sert à ranger les télécommandes de la télé et qui vient du coup de la T-Box. C'était une de leurs T-Box d'il y a peut-être 2 ans, je crois. Je l'ai trouvé la boîte absolument magnifique. Et elle va très très bien d'ailleurs dans ma déco de cette année. Alors l'un de mes petits coins chouchou, c'est celui-ci où je décore, vous savez, à chaque saison, je ne le retire pas, ce petit arbre de Noël que j'ai acheté quand je faisais mes études. C'est la première chose que j'ai acheté, je l'avais acheté chez Jiffy à l'époque. Et dans ma petite chambre étudiante, j'avais fait un coin pour fêter Noël, pour faire un petit arbre de Noël. Et il me suit depuis donc des années, ça va faire 20 ans maintenant qu'il est avec moi et que je l'aime. Et du coup, je le laisse ici et je le décore chaque année. Cette année, j'ai découvert ces petites souris, trop mignonnes, chez H&M. Elles sont vraiment bien faites. J'en ai vu d'autres qui étaient franchement pas très belles. Mais alors celles-là, par contre, en feutrine, elles sont absolument magnifiques. Et je les ai mises dans ce petit arbre. Elles sont en lien d'ailleurs aussi avec le fameux projet secret dont j'arrête pas de vous parler, qui commence à devenir de moins en moins secret avec tous les indices que je vous mets. On a une petite souris en bas là qui tricote, c'est trop trop adorable. Et alors je vous montre quelque chose parce qu'après je vais l'éteindre parce qu'il fait un bruit de dingue. C'est cette petite lanterne, voilà, elle fait moins de bruit quand on la soulève. Je l'avais trouvée l'an dernier chez Action et je la trouve absolument jolie. La seule contrainte, vous voyez, c'est le bruit qu'elle fait à chaque fois. Donc je suis toujours obligée finalement de l'éteindre. À moins que je trouve un moyen peut-être pour réduire, il faudrait que je l'ouvre pour voir un petit peu si je peux réduire la friction qui fait comme ça que ça vibre et que ça fait du bruit. J'en profite hein, d'ailleurs pour vous montrer, bah, sur le côté, j'ai remis les deux maisons ici, l'Oberon, avec des petits cerfs. Sur le côté encore également, j'ai tous mes puzzles de Noël parce que j'adore faire des puzzles au moment de la saison de Noël. Je pense d'ailleurs que je vais m'en sortir un cet après-midi. Et pour revenir en haut, donc j'ai fait une sorte de petite forêt sur cette fausse neige. Je ne sais pas trop ce que c'est ma mère qui m'a offert ça. C'est un tapis en fait en fausse neige et c'est génial pour faire de la déco comme ça. Donc j'ai mis un petit rondin parce que sinon ça bouge. Et puis en plus, ça fait plus joli avec le petit rondin. Et j'ai mis des champignons que j'ai trouvés chez... ceux-ci viennent de chez Jardiland, mais je sais que je les ai vus ailleurs. Et je me suis dit, oh, quel dommage que ça vienne aussi ailleurs. J'aurais bien aimé que ça vienne que de chez Jardiland. Mais bon, c'est comme ça. Ici, on a une petite lumière qui vient de chez H&M. J'ai fait pas mal d'achats cette année chez H&M. Ce magnifique pot vient de Stores États-Unis. Canada, États-Unis, près de Paris, la petite boutique près de Paris que je vous ai montré l'an dernier. Donc voilà le résultat. Et à côté, du coup, j'ai mis un grand tableau et un fameux petit poster d'une créatrice que j'ai découvert cette année, Claire Delépée, qui est toulousaine également. Et j'en ai mis un autre dans ma cuisine. Voilà, là, c'est celui de La Vie Illustration, qui venait avec un puzzle, donc j'ai récupéré l'illustration du puzzle que j'ai encadré parce que je le trouve absolument magnifique. Alors, je suis désolée, vous avez la lumière dedans, puisqu'on est face à la fenêtre. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis très fière de moi, donc vous voyez, je l'ai accroché. Un petit cerf en point de croix. Il y a toujours ce troisième petit sapin que m'avait offert ma maman. Et je serais incapable de vous dire, de vous redire la créatrice. Et c'est pas marqué sur son... Mais elle fait des représentations comme ça de déesse. Ou ici, c'est la saison. Ici, j'ai Yule, justement, qui est représentée ici.
Je la trouve magnifique. Normalement, c'est pour accrocher au sapin. Après, on en fait bien ce qu'on veut. On peut la mettre en porte-clés aussi. Et moi, je les mets en décoration. Je les trouve absolument sublimes. J'ai Artio et j'ai Perséphone. Donc voilà Perséphone. Et ici, Artio avec l'ours derrière. Juste au-dessus de l'étagère, j'ai remis une guirlande lumineuse qui vient de chez Action. Je les adore, ces petites maisons qu'ils ont fait l'an dernier, avec du petit coton, une branche de coton. Et maintenant, je vous emmène de l'autre côté où vous avez la table et le sapin derrière. Alors, j'ai trouvé ce centre de table l'an dernier, pareil chez Action. Il y en avait un blanc et un rouge qui allaient avec, ils étaient vendus ensemble. J'ai acheté ces petites branches, pareil chez H&M, et celle-ci chez Truffaut. Chez H&M, j'ai également trouvé des rondes serviettes comme ceci, mais je les ai mis en fait en décoration à l'intérieur. Donc j'en ai mis un de ce côté et un de l'autre côté. Et il y en a deux ici qui tiennent en fait les bougies à côté de la luge que j'avais elle-même trouvée chez Action il y a quelques années. Le petit set de sapins en porcelaine que j'ai mis ici avec le grand sapin de l'autre côté. Des petites maisons aussi, pareil, chez H&M, mais ça, je vous invite à aller voir tout ce que j'avais acheté pour cette année. Et ici, ce sont des petites créations que j'avais fait moi-même. Donc, il y a la maison, il y a les trois petits cadeaux et il y a des sapins qui sont quelque part. Je les ai mis ailleurs, je ne sais plus où. Voici le sapin un petit peu dans la pénombre. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait un sapin vraiment très nature cette année. Et quand je vous ai montré ce que j'avais acheté justement ces gros rubans qui étaient deux fois plus épais que ça et je les ai coupés en deux pour faire des guirlandes. Et en fait, je trouve que c'est très très sympa. Et j'ai fait à la place de celui-ci en plein milieu, j'ai fait une guirlande en fait lumineuse avec ces petites maisons, cette guirlande lumineuse que j'avais trouvée chez Action aussi. J'en ai une que je viens de vous montrer de l'autre côté. Et je trouve que c'est en fait, je trouve que c'est vachement sympa le rendu. Donc voilà pour mon sapin. Vous retrouvez un petit peu toutes les décos sur lesquelles j'ai craqué cette année. Et puis des vieilles décorations, des décorations que j'adore, comme ce petit renne que je ne vous ai pas montré. Mais en fait, venez, j'ai oublié de vous le montrer. Venez, 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 venez. Parce que je l'aime tellement qu'en fait, au-dessus, vous savez, sur ce petit meuble que j'ai à côté de la télé. En fait, je l'ai mis ici et il reste à l'année ici tellement je l'adore. Regardez-moi cette petite moumoute mignonne. Franchement, si c'est pas trop chou. Et ce que je vous avais pas montré, c'est que j'avais fait justement, j'ai acheté aussi cette guirlande cette année qui est bien plus nature que celle que j'ai qui normalement sont dans les tons de rouge. Et comme je voulais rester dans un côté très forêt nature, voilà, j'ai acheté celle-ci cette année à H&M. Et voilà, j'espère que ce home tour vous aura plu, vous aura donné des idées et des envies à vous aussi pour vous sentir tout bien, tout cosy dans votre maison au moment de cette période un petit peu plus difficile qu'est l'hiver, où je sais que le moral n'est pas toujours au top top. Et je pense que décorer sa maison, ça fait aussi partie de se faire du bien, de rendre cette ambiance en fait chaleureuse dans laquelle on a envie de rester. Pour ma part, je trouve que décorer sa maison, ça fait partie aussi des petits plaisirs et
des petites choses qui rendent justement cette saison d'hiver un petit peu plus sympathique. Et parce qu'on a envie de rester dans un univers, dans sa petite maison un petit peu plus douillette, un petit peu plus cosy, puisqu'on a moins l'opportunité de sortir. Alors peut-être pas pour tout le monde bien sûr, mais en tout cas pour moi c'est le cas. Donc j'aime beaucoup justement mettre ces lumière, cette ambiance un petit peu plus chaleureuse chez moi pour me sentir bien là où je suis. Et j'espère que ce sera votre cas, que vous sentirez bien et que cette saison d'hiver se passera au mieux pour vous. Et puis avant la saison d'hiver, même si elle est en plein dedans, que cette période justement de Noël et puis de fête se passe au mieux pour vous et que vous vous sentiez douillettement chez vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si ça vous a plu. À très bientôt. Salut !